Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on est aux couleurs de Couleur Master justement et on teste un petit écran. Enfin, je vais vous présenter un petit écran de chez donc du coup Couleur Master. Il s'agit du GM34CW, un écran qui va porter une dalle VA avec QLED, donc une dalle de chez Samsung avec une définition UWQHD, donc 3440 × 1440 pixels. Il va pouvoir monter jusqu'à 144 Hz avec une prise en charge du FreeSync Premium Pro et aussi un G-Sync compatible, pour le moment non validé par Nvidia, mais apparemment en cours de validation puisque annoncé par Couleur Master dans les caractéristiques techniques, compatible G-Sync. Au-delà de ça, on a un temps de réponse de 1 milliseconde, un taux de contraste de 3000 pour 1 et tout ça pour 750 €. Donc on va faire le tour du propriétaire et puis on va voir si tout ça va bien se passer, si ça vaut bien le coup ou pas. Alors sur le devant, on n'a pas grand chose à dire. Bien sûr, on a une dalle incurvée à 1500 R, donc dalle VA, QLED de chez Samsung. On a un cadre design dit borderless sur trois côtés avec une large bande en dessous, enfin large, quand même plus fine que certains de la concurrence, mais qui reste quand même relativement plus large que le borderless. On a aussi un petit logo Couleur Master ici, et on a la base qui va rappeler le logo de Couleur Master. L'écran, vous avez vu, est réglable en hauteur, d'une main, en rotation. Par contre, on n'a pas de mode à 90 degrés. On a aussi un mode, un réglage en inclinaison. Alors le réglage en inclinaison est quand même assez dur à faire. Par contre, la base ne bouge pas quand l'écran est posé sur le bureau. Donc ça, c'est plutôt un point positif. On a quand même un tout petit peu de jeu au niveau de l'écran, au niveau des fixations. Donc du coup, il bouge. Par contre, il se remet bien en place très rapidement et la base ne bouge pas sur le bureau. Elle est très très stable, donc ça c'est plutôt cool de ce côté-ci. Alors dans l'ensemble, c'est plutôt bien fini. On a une colonne qui va être en métal gris avec une base en métal gris, donc là les deux sont en métal, donc ça c'est un côté qui est plutôt appréciable. Le carénage va être en noir avec des bandes blanches ici qui vont projeter une lumière violette, donc le violet de Couleur Master. Ici on a le logo de Couleur Master et on a en dessous toute la connectique tournée vers le bas avec deux HDMI, deux DisplayPort et une prise casque pour l'audio. Donc l'ensemble est plutôt bien fini. On a derrière aussi un petit bouton pour pouvoir enlever la dalle de la colonne. Le montage va être très simple, on a une vis à main pour pouvoir mettre la dalle à la une vis à main pour pouvoir mettre la base à la colonne et aussi deux vis pour pouvoir fixer l'attache rapide à la colonne. Et ensuite, on viendra clipser la dalle sur l'attache rapide. Une fois fait, derrière, on a aussi des adaptateurs VESA, donc l'écran est compatible VESA pour les supports muraux. Petit tour donc du coup dans le pendulum pour vérifier la compatibilité G-Sync. Alors on a quand même un tout petit peu de flickering. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il est censé être validé par Nvidia puisqu'il est annoncé comme G-Sync compatible. Pour l'instant, il n'est toujours pas dans la liste. Alors peut-être que c'est en cours, peut-être que c'est une erreur d'affichage au niveau des caractéristiques techniques. Donc du coup, on a demandé à Couleur Master pour avoir une réponse. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas eue. Vous aurez la réponse dans le test écrit si Couleur Master nous répond par rapport au G-Sync compatible. En attendant, on a toujours du flickering. Donc G-Sync compatible, oui et non. Il y a quand même une amélioration, mais toujours avec ce clignotement qui est quand même beaucoup plus prononcé dans des jeux comme Cyberpunk 2077. Alors au niveau de l'OSD, on a 5 boutons pour naviguer dedans. On a le bouton menu qui va laisser apparaître un petit menu et bien sûr pouvoir accéder à l'OSD. Les autres boutons vont être là pour pouvoir naviguer, donc valider, déplacement et sortir, sachant que le dernier bouton est le bouton Power. Les boutons sont rapprochés, donc on a une tendance un petit peu à confondre. Au niveau des caractéristiques, donc l'OSD est plutôt complet. Comme vous voyez, un look assez bizarre au niveau des couleurs. C'est quand même peu contrasté entre le gris clair et le blanc. Le violet vient quand même rajouter sa petite touche colorée, le violet de Couleur Master, mais entre le gris et le blanc, c'est quand même difficilement
lisible de loin. Après, on s'en sort quand même relativement bien. Au niveau du menu, au niveau des options, donc on a l'entrée avec les différentes sources, les deux DisplayPort et les deux HDMI. On a aussi la luminosité, le contraste, donc comme toujours avec le réglage des noirs, le contraste, le DCR, la luminosité. Avec la couleur, on a le réglage du gamma, le format de l'image, la température de l'image, le low blue light, le HUE, la saturation et le RGB range. L'image, on a la finesse, le temps de réponse, la super résolution, dynamique luminosité contrôle et MPRT. Au niveau de l'affichage, donc on a le ratio de l'affichage, le mode d'effet de lumière, le crosshair transparency. Au niveau de l'audio, donc muet, volume et source audio, multifenêtre, donc PIB et PBP pour afficher plusieurs sources sur le même écran. Les réglages de l'OSD avec la langue, l'OSD, enfin la position, la transparence, le temps où l'OSD va rester et bien sûr la rotation de l'OSD si jamais on met l'écran en mode portrait, sachant que l'écran n'a pas de mode portrait directement. Et enfin, les autres réglages avec le FreeSync, la HDR et bien sûr la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation, donc ce GM34CW de Color Master, donc écran qui se veut relativement bon en jeu. On est sur un écran donc du coup qui reste fluide grâce au FreeSync. On espère avoir le G-Sync compatible. À la sonde, c'est plutôt mitigé, même s'il y a quand même certains bons résultats. Pour le reste, on est sur un écran qui reste bien fini. Quelques jeux dans les mécaniques, encore une fois. Par contre, au niveau tarifaire, il va se placer quand même relativement haut. Et à ce tarif-là, quand on se frotte au grand de ce type d'écran, quand on se frotte au grand, on se doit d'être irréprochable. Et là, ce n'est pas forcément le cas. Donc du coup, placement tarifaire quand même assez élevé pour le type de dalle. Si éventuellement le G-Sync compatible est validé par Nvidia, là ça deviendrait beaucoup plus intéressant de se pencher vers cet écran par rapport à la concurrence. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite.